Tu as jamais vu ton frère.
casserole. Je n'aime toujours pas l'école. Écorcher mon visage, écorcher mes genoux, écorcher mon petit cœur tout mou. Bousiller mes godasses, bousiller sur ma joue, bousiller les miettes de nous. Fusion Radio, la conexión francófona en Cali. Buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de Fusion Radio. En esta tarde queremos conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Todos los 8 de marzo se conmemora en el mundo la lucha de las mujeres por la igualdad, el reconocimiento y el ejercicio efectivo de sus derechos. Todo comenzó el 8 de marzo de 1908. Un suceso trascendental marcó la historia del trabajo y la lucha sindical en el mundo entero. 129 mujeres murieron en un incendio en la fábrica Cotton de Nueva York, Estados Unidos, luego de que se declarara en huelga con permanencia en su lugar de trabajo. El motivo se debía a la búsqueda de una reducción de jornada laboral a 10 horas, un salario igual al que percibían los hombres que hacían las mismas actividades y las malas condiciones de trabajo que padecían. El dueño de la fábrica ordenó cerrar las puertas del edificio para que las mujeres desistieran y abandonaran el lugar. Sin embargo, el resultado fue la muerte de las obreras que se encontraban en el interior de la fábrica. Más cerca en el tiempo, en 1977, la Asamblea General de la Organización de las Mujeres Unidas, la ONU, designó oficialmente el 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer. Luego, en 2011, se celebró el centenario de la celebración con la premisa de igualdad de género y el empoderamiento de la mujer, ONU Mujeres. A continuación, escucharemos mujeres francófonas que han trascendido en la literatura, en la música y en el arte. Nuevamente, bienvenidos. Bienvenue. La musique nous fait ressentir des choses, nous transporte, produit des sensations, nous amène vers des lieux inconnus. Les chanteurs sont ces moyens de transport. Et un bel exemple, c'est Béatrice Martin ou Cœur des Pirates. Une chanteuse, parolière, compositrice, pianiste québécoise, née le 22 septembre 1989 à Outremont, Québec. Son premier album a été nommé dans la catégorie « Album francophone de l'année » au prix Juno 2009. Son titre « Comme des enfants » a obtenu la première place du palmarès des albums vendus au Canada dans l'azimut du 19 février 2009. C'est la 12e fois seulement qu'une chanson francophone atteint cette place. Si vous voulez savoir plus sur elle ou écouter une de ses chansons, Cœur des Pirates fait partie de toutes les plateformes de streaming comme YouTube et Spotify, entre autres. Cherchez sa musique et profitez d'un beau voyage à travers la francophonie. Ah, tu vois comme tout se mêle, les deux cœurs à tes lèvres, je deviens un casse-tête. Je m'appelle Natalia Gallego, je suis enseignante à l'Alliance française de Cali. Et aujourd'hui, je vous présente mon coup de cœur féminin. Qui l'aurait cru? À part mes potes là-bas. Qui l'aurait cru, papa? Voilà, la réussite est un devoir. C'est pas fini. Le chemin est long en tant que femme noire. Le chemin est long en tant que femme grosse. En tant que femme
oubliés de la société, oubliés de la culture. Nous y sommes, papa. On est là. On est là. Isolde. L'expression, voix déception, phrase déception, mot simple et incarné. La diversité de genre investie, chanson française, pop, trap, hip-hop, soul. Le look, une taille imposante, visage magnifique, opulence capillaire, sensualité, à toute preuve, malgré un physique atypique. La bosse des affaires, productrice, managère, gestionnaire, propriétaire de son œuvre. Isolde, c'est aujourd'hui la représentation de la revendication des femmes noires et grosses, avec un style qui frappe. Tout est noir dans ma vie, tout est noir, tout est sombre, tout est noir. Isolde n'est pas seulement une chanteuse, mais elle est une femme engagée qui lutte contre la discrimination, en particulier le racisme et la grossophobie. Vous écoutez ici un extrait d'une chanson que j'aime bien qui s'appelle Noir. Et je vous invite à continuer à écouter cette femme incroyable et talentueuse. Bonjour, je m'appelle Anna Onofre, je suis la coordinatrice pédagogique. Et aujourd'hui, pour cette émission spéciale Journée des droits des femmes, je voulais vous partager mon coup de cœur pour une linguiste. Elle s'appelle Henriette Walter et elle a écrit des ouvrages de vulgarisation scientifique des linguistiques. Et je me rappelle d'avoir lu son livre qui s'appelle « L'aventure des mots français venus d'ailleurs » où elle raconte l'histoire des mots, une histoire qui n'est pas linéaire, une histoire parfois des mots qui voyagent, qui vont dans d'autres pays, qui viennent d'autres horizons et qui font plusieurs fois ce voyage aller-retour. Et j'aime bien cette vision qu'elle a de partage entre les langues. Ce n'est pas une invasion, c'est un partage, c'est un échange culturel, c'est un échange des mots. Et c'est une femme dont l'ouvrage m'a marqué et qui me fait encore plus aimer la linguistique et l'histoire des mots. Donc vous pouvez retrouver sur TV5 Monde en 2014 une interview qui a été faite et elle est très intéressante. Donc j'espère que vous irez voir et que ça va vous plaire aussi. Notes sans fil, file les filles, et tu ne sais pas, ne commencez pas. De dos fait face aux peines, tu choisis pile, ça tombe sur la reine. Tu te faufiles, tu te faufiles. Mes blessures. Pars par ici maintenant. Je veux tes doigts, je les veux tenants. Tout ce qui est à moi, tu te faufiles. Et que tu me dises tout ce que j'aime, je brise. Tu te faufiles entre mes lits.
n'existe pas sans son contraire, qui lui semble facile à trouver. Le bonheur n'existe que pour plaire, je le veux. Enfin je commence à douter d'en avoir vraiment rêvé. Et sinon vie parfois je me sens obligée. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué. Tout, il faudrait tout oublier. On pourrait croire, il faudrait tout oublier. On joue, mais là j'ai trop joué. Ce bonheur, si je le veux, je l'aurai. N'existe pas sans son contraire. Une jeunesse pleine de sentiments. L'ennui est inconditionnel. Je peux ressentir le malaise des gens qui dansent. Essaye d'oublier que tu es seul. Vieux souvenirs comme la DSL. Et si tout le monde t'a délaissé, ça s'est passé après les sols. Tout, il faudrait tout oublier. Pour y croire, il faudrait tout oublier. On joue, mais là j'ai trop joué. Ce bonheur, si je le veux, je l'aurai. Le spleen n'est plus à la mode. C'est pas compliqué d'être heureux. Le spleen n'est plus à la mode. C'est pas compliqué. Le spleen n'est plus à la mode. C'est pas compliqué d'être heureux. Si ça me soit juste heureux. Si tu le voulais, tu le serais. Ferme les yeux, oublie que tu es toujours seule. Oublie qu'elle t'a blessé. Oublie qu'il t'a trompé. Oublie qu'elle t'a perdu tout ce que t'avais. Si ça me soit juste heureux. Si tu le voulais, tu le serais. Tout, il faudrait tout oublier. Pour y croire, il faudrait tout oublier. On joue, mais là j'ai trop joué. Ce bonheur, si je le veux, je l'aurai. Tout oublier. Pour y croire, il faudrait tout oublier. On joue, mais là j'ai trop joué. Ce bonheur, si je le veux, je l'aurai. Le spleen n'est plus à la mode. C'est pas compliqué d'être heureux. Le spleen n'est plus à la mode. C'est pas compliqué. Le spleen n'est plus à la mode. C'est pas compliqué d'être. Si ça me soit juste heureux. Si tu le voulais, tu le serais. Si ça me soit juste heureux. Si tu le voulais, tu le serais. Si ça me soit juste heureux. Si tu le voulais, tu le serais. Tu veux me toucher, fais de l'estime. Tu peux te toucher dans tes drips. Bien dans mon jogo, mon legging.
Bien dans ma chicou dans mes jeans, bien dans ma robe et mon baoudi. J'ai rien à foutre de ton estime. Tu veux me toucher, fais de l'escrime. Tu peux te toucher dans tes drips. Bien dans mon jogo, mon leaky. Cherche pas à comprendre, je suis tranquille dans mon jogo. Para conmemorar el mes de la mujer, voy a hablar de un libro de la escritora Marguerite Yourcenar que se llama Alexis o el Tratado del Inútil Combate. Es una historia que me pareció siempre muy interesante porque es una carta, pero es tan larga que se vuelve un libro. Y en esta carta, Alexis le cuenta a su esposa Mónica que es homosexual, pero no lo hace directamente. A través de todas las páginas, él va contando su historia y todas las reflexiones que él hace para poder darle a entender a ella que esa es la razón por la que él decide terminar su matrimonio. Y que obviamente es muy complicado hacerlo de una manera directa porque la historia se desarrolla a principios del siglo XX. Entonces, a través de todas las páginas, con una gran serie de detalles y con toda una serie de reflexiones, él va poniendo de manifiesto lo que muchas personas de la comunidad LGBTIQ+ sienten antes de tomar el paso de salir del closet. Es una versión antigua de salir del closet, muy bellamente descrita, y que me hace pensar en la gran diferencia que hay con la actualidad, donde una persona simplemente puede tomar un video y subirlo a TikTok, a hacerlo a través de su canal de YouTube o a través de un Twitter, y la inmediatez permite que todas las personas se den cuenta de su realidad. A través de las páginas del libro, Alexis todo el tiempo está contando lo difícil que es para él vivir su vida doble, además de la frustración que significó para él que no pudo ser un artista porque asociaba a través de una serie de situaciones que él pensaba que ser artista junto a su condición lo iban a poner al descubierto ante una sociedad que no estaba preparada para aceptarlo. Pero más allá de la historia y de lo bien contada que están estas reflexiones personales de Alexis, lo que más me cautivó es la perspectiva de un hombre escrita por una mujer. Esto le da toda una dimensión diferente al personaje porque hay ciertas reflexiones que este personaje se plantea que tal vez desde la óptica de un escritor hombre tal vez no se hubiera logrado de la misma manera. Es una historia interesante de leer, corta, amable para el lector y que seguramente te puede plantear una serie de reflexiones más allá de si también la persona que lo lee tiene dudas o certezas sobre su condición sexual. Es una obra que finalmente habla de las reflexiones propias de cada persona y cómo expresarlas es importante para poder tener un lugar en el mundo. Je voulais vous parler aujourd'hui d'une femme que j'admire beaucoup. C'est Simone Veil. Simone Veil était une femme politique française née en 1927. Elle était juive et a survécu à la Shoah. Elle a été déportée à Auschwitz à l'âge de 16 ans et y a perdu son frère, son père et sa mère. J'admire cette femme pour son féminisme et son courage. Elle était magistrate et aussi ministre de la Santé en 1974 sous la présidence Giscard et s'est battue pour le droit des femmes. Grâce à elle, l'avortement a été dépénalisé, donnant lieu à la loi Veil en 1975, malgré de nombreux détracteurs. C'était une grande étape pour le droit de la femme, sujet qui est toujours d'actualité.
Elle est décédée en 2017 et fait partie des 6 femmes à être entrées au Panthéon. L'amour dans les draps et les week-ends chez toi, c'est garde partagée pour un amour en danger. Au sommet de la colline, ton regard me fascine. Quand tu partais des mois, j'avais le mal de toi. Reviens-moi, entier, vivant, rappelle-moi. Ce soir, tout le temps, visitons la ville de nuit. Ce jour est naviguant facile, maintenant pour toujours. Dans ces moments-là, je ne sais pas. Je crois que ces mines, je crois que ces mines ne suffit pas. Dans ces moments-là, je ne sais pas. Je crois que ces mines, je crois que ces mines ne suffit pas.
j'avais gravé ton nom. Sur un arbre, sur un arbre, sur une table, sur une table, j'en oubliais mes leçons, mes poésies, mes poésies, mes fables, mes fables, pour l'absence d'un jour. Passable. Dans ces moments-là, je. Dans ces moments-là, je ne sais pas. Je crois que s'aimer ne. Je crois que s'aimer ne suffit pas. Dans ces moments-là, je. Dans ces moments-là, je ne sais pas. Je crois que s'aimer ne. Je crois que s'aimer ne suffit pas. Tu sais que mes chansons ne parlent plus de toi.
corps nu sur le sol. Je me fais du mal depuis des années. La main sur les yeux, pas envie de la retirer. Y'a pas de place pour les fables. Y'a pas de place pour les regrets. Le cœur sur le sol. Relève-toi, faut pas déconner. Je sais bruit dans ma tête et j'aimerais que ça cesse, mais en vain. J'ouvre un peu les yeux, des couleurs, des photos me reviennent. Tous ces bruits dans ma tête, faut que ça cesse. J'ai perdu la tête, où est le chemin de ma maison? Quoi qu'il advienne, je retrouverai les clés de la raison. J'ai perdu la tête, où est le chemin de ma maison? Quoi qu'il advienne, quoi qu'il advienne. Le regard des gens, j'en ai que faire. Qui sont-ils pour me juger? Pardon à mon père, insolente je l'étais. Dans les yeux de mon frère, ouais, des claques qui sont ébouffées. Sur les joues de ma mère, des rivières se sont écoulées. Et j'aimerais que ça cesse, mais en vain. J'ouvre un peu les yeux, des couleurs, des photos me reviennent. Tous ces bruits dans ma tête, faut que ça cesse. J'ai perdu la tête, où est le chemin de ma maison? Quoi qu'il advienne, je retrouverai l'éclat de la raison. J'ai perdu la tête, où chemin de ma maison. Quoi qu'il advienne, je retrouverai les clés de la raison. Advienne, je retrouverai les clés de la raison. J'ai perdu la tête, ouais. Quoi qu'il advienne, je retrouverai les clés de la raison. Et... Gracias una vez más por haber compartido con nosotros este espacio. Esperamos que nos podamos ver el próximo viernes con más contenido. Déjanos tus comentarios, menciónanos y síguenos en Twitch.